l'hôpital principal de Dakar. Donc j'ai répondu à l'appel grâce à un ami mauritanien du nom de Mohamed Kane, à qui on partage souvent les plateaux à Dakar. Et souvent moi aussi je l'invite dans ma commune à Marist. Donc raison pour laquelle je suis venu ici depuis hier pour répondre à son appel, également pour participer à l'idée qui est tellement bonne et qui participe également à améliorer le plateau technique de la commune de Tekan. Nous sommes venus pour répondre à l'appel et franchement pour aider les populations qui sont venues répondre à leur appel. C'est que j'apprécie et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. C'est la première, mais ça ne sera pas la dernière fois. Et là, nous profitons à cette occasion pour remercier toute la communauté de Tekan de leur accueil chaleureux et d'être venus répondre à l'appel et sont venus nombreux également être consultés par des spécialistes, des infirmiers, des sages-femmes. Donc ça va quoi, franchement, c'est ça qui prouve que nous sommes tous des Africains quoi. Il y a apprécié et également les dirigeants doivent veiller à ça. Cela prouve que franchement les conflits entre les pays là doivent cesser. Parce que je suis sénégalais, je suis venu sur la terre mauritanienne. Mon ami, il est tchadien. Ça prouve que nous, la nouvelle génération, nous allons promouvoir l'unité africaine. Et de grâce, ça, l'Afrique, quoi. Donc, franchement, je remercie tout le monde et mes parents qui sont au Sénégal et également toute la communauté mauritanienne. Donc, la plupart des cas qu'on a ici, c'est les adultes, c'est l'hypertension artérielle qui est normale, ce qui est dit à l'âge. La plupart sont hypertendus, mais néanmoins, on les a conseillés à avoir un bon régime alimentaire, on les a prescrit des médicaments. C'est les enfants, les pathologies qu'on a rencontrées, c'est la carie dentaire. C'est l'occasion également pour sensibiliser aux parents de veiller à l'hygiène bucco-dentaire de leurs enfants, parce qu'un enfant, c'est rien, il ne connaît rien. Donc, ces adultes, c'est l'attention, c'est dit également à l'alimentation, je leur conseille d'éviter de prendre des aliments trop salés et d'éviter aussi des aliments trop gras et de manger correct et peu. Donc, c'est ça. Sinon, il n'y a pas de grande chose, franchement, ça a été quoi. C'est comment? Ok. Oui, ils peuvent utiliser le curant. Le curant, c'est très efficace. Parce qu'on n'est pas sans, on n'est pas obligé d'utiliser des pâtes dentifrices. On peut utiliser le curant et de toujours après le repas de se laver la bouche. Après, avant de se coucher également, de se laver la bouche. Après chaque repas, on est censé à se laver la bouche, enlever les débris alimentaires, puisque c'est ça qui entraîne les caries dentaires chez les enfants. Donc pour l'hypertension artérielle, donc. Des fois, les médicaments peuvent ne pas être disponibles. En ce moment, ils peuvent veiller à manger des régimes un peu salés, de ne pas manger trop de sel et des aliments trop gras, donc, et de boire beaucoup, parce que l'environnement et le climat, il fait chaud. Donc, on les conseille de beaucoup boire et de ne pas manger trop salé et trop gras. Pour les personnes. Parce qu'il n'y a que ça comme pathologie, hein. L'hypertension et la gastro-entérite. C'est-à-dire les diarrhées et les vomissements qui sont les gars.